bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour ce loto très particulier. Parce que ce loto, il est d'abord pour les enfants qui sont ici sur la scène, avec moi, avec nous, parce que c'est un travail d'équipe que nous avons fait pendant 2 ans. Nous avons travaillé donc pendant 2 ans avec Marlène Davy, la présidente de l'association Les Orphelins du Soleil. Nous avons également travaillé avec des élus, mesdames Matteux, madame Silva, madame Messine. Et puis surtout, nous avons travaillé avec madame Aurélie Coudière, qui est là, qui se cache, mais qui va rapidement prendre la parole. Donc, au nom de la municipalité, nous voudrions vous remercier d'être venus aussi nombreux pour ces enfants qui sont là, qui sont beaux, avec leurs écharpes, et qui surtout ont fait preuve d'un investissement et d'une motivation absolument remarquable. Je vous remercie pour eux, et je cède la parole à madame Coudière. Bonsoir à tous. Comme l'a dit madame Alcanis, qui est adjointe élue à l'enfance et à la jeunesse, je suis Aurélie Coudière, coordinatrice de projet pour le conseil municipal des jeunes. Et pour vous faire un petit peu la rétrospective de notre projet, nous avons attaqué à peu près il y a 2 ans une correspondance avec des enfants de l'orphelinat au Maroc par le biais de madame Marlène Davy, qui est la présidente de l'association Orphelins du Soleil. Et nous avons vite, du coup, ressenti beaucoup d'émotions par rapport à ces échanges et décidé d'entamer un projet plus concret qui est de leur rendre visite. Ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille sur ce projet. On a établi, par le biais de la Semaine de la Solidarité, plusieurs collectes que nous avons déjà fait parvenir pratiquement en entier. Voilà. Et nous allons entamer d'autres collectes pour notre voyage qui sera organisé durant les vacances de la Toussaint 2024. Donc nous avons fait pas mal d'actions d'autofinancement depuis bien un an maintenant. Et pour ça, j'aimerais remercier les élus du Conseil municipal des jeunes d'abord, les parents pour leur investissement, puisqu'à chaque fois qu'on a des actions d'autofinancement, on les sollicite. Donc voilà, merci. Merci à vous d'être là ce soir. Merci à la municipalité qui, du coup, par monsieur le maire et les élus, nous ont fait un don et une enveloppe pour pouvoir concrétiser notre voyage. Merci au comité des fêtes qui nous a prêté les cartons et qui sera présent ce soir pour vous nommer. Et ensuite, on va remercier tous les sponsors qui ont participé à l'élaboration de ce loto. Et je vais laisser du coup la parole aux élus pour vous les énoncer. Merci beaucoup. Décra automobile contrôle technique à four, prostige carrosse marguerite, le domaine de Campugé, la cave de Pazac, l'esthéticienne à Bouillargues, brasserie L'Imprévu, Idée plus édition à Bezous, l'adresse coiffure Bouillard, l'amour des pierres, lithothérapie, pharmacie Via Domitia, restaurant Enoteca, Piazzetta à Nîmes, brasserie mini bar à Castanet, pharmacie pour taguer, tabac du cours Jean Jaurès, boulangerie Monteil, boucherie chez Quentin, sœur aux fleurs Ortiga. Coutellerie Le Camarguet Bezous, Cristal Coiffure, Pizzeria Via Domitia, La Table du Chef, Escape Game Lille,
Intermarché, le garde manger, un autre officiel, Nadège, la station, le surveillant.